Maintenant, je voudrais donner la parole à Madame Nolwenn Delisle, qui représente la directrice de l'Institut français Centre Saint-Louis. Merci, merci à l'association Rome Accueil de nous donner, nous accorder la parole. Et bienvenue à tous. Je m'appelle Nolwenn Delisle, donc je coordonne l'activité culturelle à l'Institut français Centre Saint-Louis. Plusieurs d'entre vous sont passés au stand. Voici notre brochure culturelle. Donc en fait, pour les nouveaux arrivants, sachez que l'Institut se trouve en plein cœur de Rome. Donc on est entre la place Navone et le Panthéon. Donc on est ouvert à vous du mardi au vendredi de 11h à 14h et de 16h à 19h et le samedi matin de 10h à 14h. Donc venez faire un tour, venez découvrir aussi l'activité culturelle que vous retrouvez dans cette brochure, donc de septembre à octobre, et puis il y en aura une prochaine de novembre à décembre et comme ça jusqu'en juin. Pour ceux qui nous connaissent, l'Institut fait peau neuve. On a changé notre site internet, donc je vous invite à le découvrir. Finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus intuitif. Vous allez finalement découvrir ce qu'on fait sans devoir chercher ce qu'on fait. Vous allez comprendre en y allant. Donc, allez découvrir. Vous allez aussi dans le menu trouver des choses par secteur donc, d'activité. Donc, si vous avez un centre d'intérêt pour les activités famille ou pour les activités enfants, vous allez dans le menu, vous avez la section enfants-famille et vous avez tout ce qu'on vous offre, tout ce qu'on vous propose pour la famille, pour les enfants. Le cinéma va commencer aussi bientôt. C'est du cinéma en version originale, sous-titré en français. Donc, pour ceux qui ont la nostalgie ou encore... sous-titré en italien. Donc ceux qui veulent continuer à voir l'actualité du cinéma français, voire francophone, venez. C'est les mardis, mercredis et vendredis. Vous avez les horaires sur le site internet et on commence le 25 septembre. Donc à tous, bienvenue à Rome pour les nouveaux arrivants et puis on vous attend à l'Institut. Merci.